Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça va dépendre de qui côté et à qui l'heure on attend le journal ça. Bien, Palais National de Rudy Heriveaux frappé pied à terre après scandale rapport la Cour supérieure des comptes sortie côté non président Jovenel Moïse cité plusieurs côtés dans rapport si là. Eh bien, Rudy Heriveaux déclare clairement rapport ça son rapport politique et rapport à son rapport qui fait qui peut détruire président et pour capable forcer coup d'état fait plus facile. Vous dire au fait qu'on est que c'est forcé ou forcé nèg la pour sortir Jean de rapport ça son rapport programmé qui n'a pas aucun sens, qui n'a aucune valeur parce que toutes ces menties ça n'a dit dans le rapport si là. Eh bien, si toutefois c'est à vous, ça dit dans le rapport, vous avez menti, pays d'Haïti, pas de monde pour quoi là-dedans. Même, pour un système judiciaire, pour un niveau ça, pour t'acquitter nègre, à mettre parole en bouche, pour t'acquitter des nègres, des politiciens, à forfait ça pour pas de faire, et pour abder, finir avec toute capacité, toute sorte de gain. La caillou automatiquement quitte ces gens qui peuvent violer, qui ont fait tel bagage, et bien, ou venez pas fini, pas un. Et bien, moi, invitez nous suivre ensemble avec déclaration ou direz-vous sous rapport si là. Restez branchés, nous allons pour l'autre vidéo. À tout à l'heure. Vous direz-vous bonjour. Bonjour, guerrier, et nous saluons Robert Féliné, Bob C. Et puis, même s'il parle à Pierre Winner, Winner. Tout là. Oui, nous-mêmes. Ah, nous, tout là, nous saluons auditeur Caribio qui doit poser cette question là. D'accord. Oui, et matin là, on va prendre la parole. Dans nos PHTK ou bien dans nos Palais National, c'est ça? Et dans nos, ils ont pouvoir, et dans nos, ils ont citoyens respectables et respectés. Que folie pouvoir les détruire. Et on parle de qui, citoyen? Qui c'est président Jovenel Moïse? Ah, ok. On comprend? Oui, oui. Donc, alors, question que la pose, les guerriers du seul, Bob C, et PRR, et pour dire toi là tout. Jusqu'il bon folie pouvoir, qu'à pousser on sait le monde dans exercice, yo pi habile là-dedans, qui s'est bailmenti sur le monde, pour débloser pété dans le pays ça, pour l'obéir pété, et puis faire coup d'état. Vous avez fait nous dire ça. Parce que ce fameux rapport que nous sommes des deux honorables sénateurs de la République à parler sur là, mais c'est un document truffé de mensonges. Si nous apprenons, par exemple, et question réhabilitation tronçon et route boy, petit bout de boy là. Effectivement, il y a quelques millions de routes qui étaient décaissées sous 39 millions que vous avez décaissé, réhabilitation route là. Mais 80% de travaux exécutés. Ça veut dire qu'on dette aux compagnies qui fait route là, qui c'est Agritrans. Et combien pourcentage investementé? 15 millions. 15 millions. 37% de 39 millions que tu as gagné pour bail là. Et au-delà, il y a 80% d'exécution. Il y a 80% de travaux qui est exécuté. D'accord? Ok. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, où sont mettez main dans plaie? Ils ont plaie payante, dégoulinante, mais qu'on voit sénateur échappé pour lui rapidement sous lui. Tellement de précipitation dans la logique qui détruit, tenter détruit. Et ça, la personnalité chef l'État, où est moun, des trois moun, parce que ce n'est pas tout conseiller. Attention, ça, son scoop que nous, ce n'est pas tout conseiller qui est au courant de ça qui est écrit dans vaste comédie, dans vaste l'obéi ça. Mais il a approuvé quand même. Et qui a approuvé. Ou pas insister sur le fait que dans ce fameux rapport, d'accord, écrit à l'encre du mensonge et de la diffamation, et que n'a écrit ce même numéro de patente pour deux compagnies. Agritrans bet archi fort. Parce que moins de femmes là, on t'a dit que monsieur t'est échappé pour les souliers. Il y a deux numéros de patente différents. 440722, 3792. Et puis, pour l'autre, il y a 1528, 36, 83. Année fiscale 2014-2015. Nous gagnons toutes deux immatriculations différentes. 00000637 321, t'es dit 3 Bob. Oui. C'est pas 3, c'est 7. Pour Agritrans. OK. Et puis de l'autre côté, nous gagnons 00, c'est 41, c'est 81, 6. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que c'est yon l'orbeille qui montait pour capable, j'aime d'oulan, entrer dans une sorte de opération démolition. Et menti ça que Cour supérieure des comptes bail là, parce que ce sont des conseillers, des mounes qui visiblement monitorer véritable motivation Montagio qui fabriquait rapport ça et m'insister sur ça. C'est une tentative très maladroite et grotesque, d'accord, dont c'est de monde qui manipulé par des monde qui te fait tout effort, tout ça au capable pour que le président Jovenel Moïse pas arriver dans tel pays ça. D'accord? Donc, c'est des gens qui te multiplient un paquet de complots pour provoquer, ça que m'rélé, un séisme politique. Vous songez ce fameux dossier de compte en goud, de compte en dollars là. Ils ont soudainement retiré un grain zéro dans 4-0 que tu gagné sous compte en goud là. Ils ont tenté de retirer un grain zéro dans compte là pour dire son compte en dollars. Ce qui a été, vraiment tout le monde déconnaît, et c'est ton bagage faux, et que Botlan t'est rectifié rapidement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, toute tentative, ça y est, des tentatives malsaines, ouais, et répugnantes qui t'est fait, pour empêcher le président Jovenel Moïse d'arriver au pouvoir. Et je vous dis, il y a un rapport, monsieur, qui chita sous 675 millions de dollars. Ou après que, il y a une campagne éhontée. Il y a des interventions qu'a faites sous 39 millions de gouttes et c'est 37% dans la donne qui décaissait. Vous avez vu. Mais là, on a parlé tout de président de la République, là, qui t'a doué au-dessus de toute soupçon. Oui. C'est presque normal. Pour lui attirer attention. Oui, mais la question qu'on doit se poser, pourquoi cet acharnement diabolique, démoniaque? Pour ça, moi, conseil de omission, je ne parle de rien de eux. Sur des montres consistantes qui détournaient, ça veut dire que les gens qui ont tenté sortir dans le radar justice là, et puis pour mettre les projecteurs là, sur un dossier dénué de tout fondement, qu'il faut, mais ça rentre toujours dans la même logique pour tenter de créer une explosion sociale, pour tenter de salir, parce que c'est une tentative liée, grotesque, mais qu'après elle échouer. Tant que toute l'autre est échoué. Ça veut dire quoi? Pas gagner. C'est pas gagner qui construit sur le mensonge qui est viable. Partons l'autre exemple. Avant l'autre exemple, Heriveaux, Goudi Saguenal demandait aux Heriveaux, par exemple, pour qui ça, Agritrans, pas de gens demandé au fait deuxième décaissement pour lui, si travaux au fait à 80%, normalement, on doit écrire ministère des Travaux publics pour demander le faire deuxième décaissement. Donc, qui sa modalité OTI? Vous avez une idée? Ah oui, c'est une question pertinente, mais réponse en automatique. C'est parce que tu viens des conflits qui éclatent dans la zone-là. Et que compagnie a bien aimé finaliser les travaux, mais à cause de l'obéi politique, même qualité l'obéi, et toujours qu'on a éclaté pour créer la troublaille, déstabiliser, c'est sport favori, on sait de monde. Par exemple, qui sont parlé là. Eh bien, il y a un compagnon qui t'a bien aimé finaliser, il était obligé, malheureusement, déplacer. Et pas oublier que tu as gagné un gros bulldozer qui coûtait $900,000 américains, qui est tombé dans falaise. En pile effort est fait pour te retirer. Mais le président Jovenel Moïse, comme toujours, c'était un monde qui était investi dans logique et honorable pour le capable d'améliorer les conditions de la vie. Il n'en zone non. Mais ça, il n'y a pas de mettre l'accent sur lui. Donc moi-même, je dis encore, c'est une attaque qui fait, je dis haut et fort, que rapport ça, qui ficelé, qui mal rédigé, et qui ficelé dans la précipitation, d'accord, et à dessein. Parce que faut que marchandise est délivrée en urgence. Suivez mon regard. Mais la précipitation pour répondre ce fameux rapport, pour le courir déposer dans le Sénat, pour exploiter suivant eux-mêmes une situation délétère, et puis pour qu'il y ait coup d'État, pour qu'il y ait l'obéi, pour qu'il y ait pays l'autre, et tout ça, nous sommes capables de dire, d'accord, ça, pour plonger le pays à la chaos, ils n'ont pas pris le temps à investiguer, à faire un travail sérieux, dans la sérénité, qui dépouillait de toute passion. En nous prenons l'autre exemple. Posez ce bon bracelet, monsieur. Bracelet. 990 000 gouttes de caisse. Eh bien, Mounsa, il y a toujours une logique pour tenter sale réputation président. Mais ils n'y parviendront pas. Comme tout ça, ils ont déjà échoué, comme ils ont toujours lamentablement échoué. C'est 990 000 américains, oui, bracelet, écoutez. Menti, oui. Et l'ennuyé. Que n'a-t-il que c'est 277 000 dollars US. C'est 267 000 goudouilles. Ou bon, dans un rapport qui base sur 675 millions de dollars américains, avec des gens qui ont des contrats faramineux, gargantuesques, pour ne pas délivrer engagement vis-à-vis de l'État, suivez mon regard, et puis qu'on y a là, on transforme les chiffres. Parce que nous avons une expertise pour transformer, eh bien, good, montant en good en dollars américains. Même si on a tenté de transformer compte président qui est 4-0 là-dedans, dans BNC, avec son compte en good, en dollars américains. Ben, on dit, donc ça veut dire quoi? Donc, ça semble le rapport, pas gagné qui est vrai là-dedans, le même. Non, mon cher. Pas gagné qui est vrai là-dedans. Non, parce que ça, tout le monde connaît que l'argent qui mal dépensé dans le fonds PetroCaribe, on prend sous président. Il y a l'argent qui mal dépensé, c'est ça? Puis dans des noms, sous président, sous trois présidents, près de 6 gouvernements. Ah, ok. Mais on pourrait que gagner une obsession presque pathologique, maladie pour fixer ce montée de bagaille, qui archipole. Ça veut dire quoi? C'est une opération de opération démolition qui a tenté fait en voulant transformer derrière Bob C, PRR, et m'a dit ça à tout auditeur, dossier PetroCaribe, dans ça que me relais une mécanique infernale pour tenter de saboter, de broyer le pouvoir en place, pour tenter sale personnalité d'un homme respectable, d'un citoyen sérieux, qui s'appelle Jovenel Moïse, l'actuel président de la République, eh bien, pour marcher pressé, et dans marcher pressé, n'a pas cassé dans eux. Yo shoot à côté. Yo shoot à côté. Dernière phase de rapport, vous dit, son rapport à fixation, président Jovenel Moïse? Normalement, parce que, ils ont tout essayé, Bob C. Pour que le président Jovenel Moïse, pas président PIA, le président Jovenel Moïse vini pour attaquer un série de dossiers extrêmement sensibles. L'argent que 1 kilomètre de route est coûté, ok, l'utilisement va constater 100 000 dollars pour lier. On va comprendre aisément que ça dérange énormément. Regardez ça qui fait là. Tout le monde sérieux, dont moi-même qui a parlé là, a dit oui pour qu'il y ait une reddition des comptes sur l'utilisation des fonds PetroCaribe, mais en aucun cas, dossier ça pas capable de servir d'instrument de déstabilisation de ça que me relais un cheval. En question, Rudy Heriveaux, non, Rudy Heriveaux, c'est ça, ça pas relais ou rejeter rapport d'un revers de main, mais on va pas d'accord avec nous que Agritrans, c'était recevoir l'argent pour faire route. Alors, ce que nous connaissons, film ça, tu travailles, ou travaille dans l'agriculture. qui expertise Agritrans t'es gagné pour que l'ité joigne l'argent pour te faire route dans le cadre de projet. Et pas que Agritrans travaille tout dans la question et faire route. Par exemple, tronçon, Dévar, Cachiment, Nantrou du Nord, Bolakaïnon. Et réhabilitation et terrassement qui fait, c'est Agritrans qui fait. D'accord? Bon, non, mais est-ce que c'est notre chance à alter? C'est pas de l'agriculture, c'est route là dans le tout. C'est pour ça qu'ils travaillent là-dedans. Moi-même, ça me les fait nous comprendre. Non, mais est-ce que c'est là le problème dans les Rudy Heriveaux? Est-ce que le problème, non, c'est par le fait que gagnent de l'argent qui débloqué pour une même route, pour une même construction? Non, c'est le problème. Le problème, non, c'est le fait que, malheureusement, des gens qui t'adouaient au-dessus de tout soupçon. Ils se sont laissés manipuler et peut-être, bien l'autre posé toujours, que après le gagner, pour une investigation poussée sur eux, parce qu'on entend tellement de choses qui se disent, qu'on obligé pas courir d'eux pour faire mémé avec eux, nous on va demander que une investigation poussée qui fait pour connaître pourquoi cette précipitation à vouloir pondre ce fameux rapport pour capable de focaliser son seul monde. Est-ce que là, sénateur... C'est tout l'argent, PetroCaribe, dans le monde qui manipule, dans les fameux marionnettistes qui manipulent certains conseillers, j'ai bien dit certains conseillers, et puis après que, pas grand-chose qui dissout pratiquement. Donc c'est là que nous devons arriver. Et par conséquent, rapport ça, commandité par des marionnettistes en mal de pouvoir, des gens qui sont prêts à tout pour transformer fantasmes en réalité, des mondes qui ne vivent et ne respirent que par et pour les coups d'État, compilation de contre-vérités ça, de mensonges ça, de retourner par la Cour supérieure des comptes. Pour demander de corriger cahier et que marché pressé que t'es gagné, pour tenter de mettre en difficulté, Jean Dolan, un citoyen honnête, responsable, qui commet un seul péché, c'est d'avoir toujours servi son pays et de continuer à servir son pays. Le président Jovenel Moïse, eh bien, pour débarrasser rapport ça, de toute sa de toutes les scories. Tout patraque là-dedans. D'accord. Malhonnête. Nous connaissons. Information qui là-dedans pour corriger. Et puis tout. Pour que ça aurait été trop facile. Pour retourner. Et puis la vie continue comme si de rien n'était. Non. Toute défense qu'a bien pour le fait, la balle fait derrière tout ça. On se garde. Toute défense qu'a bien pour le fait, la balle fait devant la justice. Ouais. Et c'est ça que fait gagner des monde qui a dit est-ce que le président de la République là a mettait disponible pour la justice puisque non c'était comme responsable Agritrans dans rapport ça. Ah, là que a bien pour investiguer en profondeur sur ce ramassis de mensonges. Il n'y a pas loin que c'est l'autre monde qui a bien pour mettre à la disposition de la justice. Et non par le président Jovenel Moïse. Que ces monde qui ont manipulé, soudoyé, toute l'autre bagaille, éventuellement. C'est investigation, c'est enquête qui a pas le montrer ça. C'est monde qui a pas le gagner pour répondre par devant la justice. Puis aller chercher et remonter ce fil d'Ariane. Puis voir qui côté le sorti. Et puis qui fait que oui. Pour être pour pris sa marionnette, ça y est, dans précipitation pour le pondre, il y a un rapport qui n'a pas gagné pour avec vérité, ok, pour ça, c'était ça l'image président, pour à qui côté, manœuvre déloyale, malhonnête, malsaine et démagogique, ça y est, sorti. Et moi, j'en appelle, d'ailleurs, ma bonne scoop là, même si nous sommes sur Caraïbes, journal première occasion. Président Sénat, d'après ce que je crois comprendre, il y a des gens qui disent attention, oui, ça est bon là, il n'a pas reflété la vérité. Ah bon? Oh oui, il est en touché de ça. Mais oui, parce que grand pile monde qui veut dire, par exemple, prenons cette histoire du fameux, des fameux bracelets roses. Mais écoutez, n'est-ce pas tellement pas à travailler sans méthodologie, il y a tellement ces mentures, il y a tellement ces monde qui a poussé, qui a monitoré, qui a manipulé, devant même ouais que son bagage qui est totalement insensé pour dire que c'est dollar africain, alors que c'est good. Ou pas qu'être l'autre chiffre encore, bagage peinture et façade. C'est la vérité va se faire jour. Et moun pou ki nan kouri, yo pa rele Jovenel Moïse. Et m'ta mais que paysan, que sous ça, yo pa rele président Jovenel Moïse, c'est des moun qui pas jamais digéré victoire citoyen Jovenel Moïse à la présidentielle d'il y a 2 ans et quelques mois. Ils ont fait toute manœuvre pour que Jovenel pas privé président. Je n'ai pas besoin d'énumérer encore, je ne parle pas de eux. Ils ont des gens qui n'ont même pas même assisté à prestation président Jovenel, qui choisit Marron. Qui est-ce qui va faire la vérité, Blaise, sur ce dossier ça, Heriveaux, selon vous? Eh bien, dans un premier temps, écoutez, et mon cher guerrier, il va falloir d'abord que le président Sénat fait ça que la morale républicaine recommande. Qui ça dit? Le droit recommande. Retourner, d'accord, dossier ça, malfagoter ça, fabriquer de tout pour un pile à bien des égards. Nous sommes pas quelques exemples, mais il y en a beaucoup d'autres. Nous pas faut nous taper toute journée. Non, là parce que rapport là c'est presque dans environ 3 pages les sur 612 les parlait de Jovenel Moïse. Donc est-ce que ça on fait là c'est pas pour décrédibiliser rapport là pendant que gagnait plusieurs autres monde qui citaient même plus dans un document que Jovenel Moïse. Rapport est pas crédible. C'est la première chose. On va qui dit depuis que Yonkai construit fondation le Babo c'est sous Mantil Chita. Même côté là, tout cas là, c'est tout l'échafaudage qui va s'effondrer. C'est dans ça, ça lié là. On va à la question de deux partant, on seul partant pour deux. Pour qui ça a écrit ça lorsque c'est faux? C'est menti. Pour qui ça a remetté que son seul et immatricule fiscal, immatriculation, c'est faux. Parce que bon côté on va arriver. Déduction aussi simple que ça. Donc m'a dit mon sayo. Ils ont tout essayé jusqu'ici, ils ont inventé des tas de sottises, ils ont fabriqué des tas de dossiers, mal fagotés, mal ficelés, eh bien, ils ont montré qu'ils sont en panne d'inspiration. Ils sont pas créatifs, ce sont des crétins, et que plutôt ils chercher autre chose, mais si c'est pour ça, ils ont chiré, ils ont échoué. Et la morale républicaine, le droit, la justice, exiger que retourner rapport à Bayo pour corriger Kayo. D'ailleurs, je vais répéter encore, c'est pas tout conseiller, Dieu merci, sinon pays ça, mes amis, t'es dans courri, qui cautionnait l'orbeille ça. Ce tissu, ce document truffé de mensonges, d'ineptie. Et l'autre conseiller de taper du pain sur la table pour dire l'autre mounio. Ils sont capables de monitorer nous, ils sont capables de gérer nous, ils sont capables de manipuler nous, mais de grâce, cessez de tenter de salir la réputation d'honnêtes citoyens. Soit penser si tu as une commission enquête, c'est-à-dire indépendante ou internationale, qui t'a travaillé sur le dossier, puisqu'on a parlé d'un rapport qui truffé de mensonges, au même rapport, ça, l'État a mérité de tourner côté de ce tir. Donc, en commission enquête indépendante, ça, tout ça. Eh bien, posons une question, soulever une question là, et qu'on est obligé d'admettre qu'il y a une pertinence. Pour quelle raison? Parce que dans le premier dossier, on a observé qu'il y a des omissions, suspectes, troublantes. Il y a des non-coutés là-dedans, qui étaient dans le premier rapport, qui subitement pas là-dedans encore. Dans le rapport, il y a des non-coutés là, qui subitement disparaissent, d'accord, du radar, dans la commission, dans le rapport. et sénateur Beauplan. Bon, nous quelques exemples. Bon, quelques exemples du nom qui était là et puis qui font dans le bombé. Et pour nous taguer plus de temps pour ça, mais ils ont un pile, vous connaissez ça. Ils ont un pile. Ils ont un pile. Et c'est une raison, mais et Caraïbes, c'est une raison qui fait nous dire. Ils ont un rapport qui protège un secteur et puis qui accable un lot. Normalement, mon cher, la vérité dans tout ça, c'est quoi? Il gagne un pile d'argent. Pour nous dire, il faut le reconnaître, il faut être sérieux. Il a mal dépensé dans la gestion fonds PetroCaribe. Mais il n'y a pas le président Jovenel qui mal dépensé. Et Jovenel va gagner pour un ça. Et que n'a qui voulait faire coup d'État, puis elle cherche les gens qui mal dépensé, comme PetroCaribe. Mais elle cherche les qui étaient côté masque pourri, mal géré, que voler dans PetroCaribe, et puis il y a cet acharnement démoniaque sur le chef de l'État. Et mes réponses, suppose que c'était toute question pour qu'ils en s'est pris. Avant tout ça, autant de faire, ça va mordir. On y a fait flèche de tout bois, même si c'est bois pourri, ou tenter pour détruire personnalité présidente, mais tant qu'on a échoué. Ok, on va le finir, mais sur qui base, par exemple, tout à l'heure, Tourner dans la Cour supérieure des comptes, parce que le charge avec menti là-dedans, il chargeait avec de contre-vérité là-dedans. Mais c'est la contre-vérité qui m'est... Vous pensez que vous avez assez d'arguments pour démentir conseiller la Cour des comptes? Mon cher Mamdo, heureusement, je dis encore, c'est pas tout conseiller qui a trempé dans l'obèle ça. Il y a rien qui était suffisamment... En tout cas, son rapport qui sorti dans la Cour des comptes et conseiller assumé, c'est le président qui a déposé dans le bureau Sénat. Donc, il a engagé tout conseiller. Mais éraré ou manoumès, un président, je trompe être humain, un président, pour se faire des comptables, finit par rendre compte que yo induit en erreur et que le pape Jam doit signer l'obéi ça, parce que son bagage qui écrit, qui fabriquait, à dessein et qui dirigeait dans la précipitation, dans la malhonnêteté, dans la fabulation contre le président de la République. D'accord. Et ça, oui. Maintenant, merci pour que gagner, c'est ça comme une question PRR là, donc il pertinence. Est-ce que qu'on y a là, dans l'état actuel des choses, ou capable de compter qu'on y a, pour que qu'on travaille sérieux, qui fait de la sérénité, qui dépouille de toute motivation politicienne, malsaine, obscène, triviale, mais qui sont entreprises de destruction. Est-ce que qu'on y a là capable de porter sur l'institution ça qui vient décrédibiliser? Je ne sais pas si la balle redonne, je ne sais pas comment. Vous comprenez? Il va falloir que les gens qui te gardent silence dans le PLCCA élevent la voix pour dire que, contre ça, il y a un Sénat sans que nous-mêmes nous pas d'accord. Sans que nous pas prendre connaissance de lui. À notre insu. D'accord. Merci en pile, Rudy Heriveaux. Bonne journée. Ah ben bon, merci en pile à la prochaine. D'accord, Kimbella. Voilà, Rudy Heriveaux, Pierre-Onelou, jeune citoyen.